mi sono lontano e là le illusioni. Io sono la fine più no? J'ai toujours des illusions, nous sommes toujours à l'aiguille. Oui, raconte, c'est bon. Cela veut dire que ces futurs serviteurs de Dieu, les gens qui donnent la première année, candidats maintenant, puisqu'ils ont fait leurs deux années d'école publique, comme on dit toujours, je ne les ai pas appelés, nous ne les avons pas appelés ces hommes. Leur appel est d'en haut. Mais nous avons été humains pour leur donner une instruction publique. Car nous sommes une grande mission des Lumières. Vous avez bien compris? Alléluia. Parce que nous avons la lumière, non pas la lumière au premier début, mais nous avons la vie. Et comme nous avons la vie, nous avons la lumière. Même les pans de terre ont la vie avant de voir le jour. Notre naissance, nous avons la vie, et après nous avons la lumière. Alors, vie, lumière, c'est magnifique. Bien. Cela dit, merci au Seigneur pour cette école publique. Et comme vous le lisez, s'il n'y avait pas d'école publique, quel est l'homme qui dirait non, pas de prédicateur? Parce qu'on entend souvent, il y a trop de prédicateurs. Il n'y a jamais assez de prédicateurs. Montez au-dessus du chapiteau, vous verrez combien de voitures, d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux qui sont sauvés. Allez dans votre ville, montez au-dessus du clocher, vous verrez combien de personnes. Regardez notre pays de France, l'Europe, le monde. Le monde est perdu. Il faut des hommes de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. C'est eux qui imposent les mains malades, c'est eux qui vont chasser les démons, c'est eux qui vont faire l'onction d'huile, qui vont faire l'exhortation, qui vont faire l'évangélisation et l'exhortation, et l'enseignement. Donc, l'école biblique n'appelle pas à diriger les chants, ils vont prier pour les malades, ils vont prier pour les enfants, les femmes, ils vont à l'hôpital, ils vont placer les voitures, mais c'est que d'eux qui vont chercher et faire les cours. Alors, merci au Seigneur pour ces hommes qui s'occupent dans l'école publique avec nous. Donc il y a le petit trésorier qui a prié tout à l'heure, qui naît et qui reste avec nous, ben, merci Seigneur, avec la dame, tout cette école publique. Et nous avons eu aussi des frères qui sont venus, on appelle ça des officieux, disons d'elle, il y a le petit Bobo qui nous a emmené un coup de main dans l'enseignement pour quelques jours, merci au Seigneur, il y a les invités, hein, dont Jojo Guillois est venu, il y a Antoine Doux, il y a Bébé, ça c'est les invités. Et comme on laisse une porte ouverte dans notre mission, 3 jours, il y a 30 réunions, donc chacun peut apporter quelque chose. Nous ne sommes pas enfermés, nous laissons les étincelles s'épanouir. Alors voilà l'ensemble de l'école biblique. Disons, dans cette année, notre cœur est touché que notre frère Rossac, qui est le fondateur de notre mission, et aussi de cette école biblique, qui n'est pas avec nous, mais il est avec nous au sens, parce qu'il y a le résultat, nous sommes la continuité de ce travail. Amen. Merci au Seigneur. Dans ces enfants sont là aussi, que Dieu les bénisse. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous dis ça. Merci à Dieu pour ces hommes. Vous pouvez les aider en les écoutant, mais aussi en priant pour eux. Et que le Seigneur les bénisse. Je dis un petit mot pour les parents. Soyez contents et joyeux, frères âgés, pères de ces étudiants et mères, de ce privilège que vous avez que vos enfants servent le Seigneur. Combien ça serait triste d'être devant la fenêtre à 2h du matin, mon fils n'est pas venu. Qu'il soit jeune garçon marié, mais tu sais qu'il est à l'école publique, tu sais qu'il va prêcher la parole de Dieu. Quelle joie pour moi. Alors, merci au Seigneur. Je dis cet homme pour les parents. Soyez bénis de la part du Seigneur que vous avez instruit vos enfants qui sont à l'école publique. Que Dieu bénisse notre mission. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans ce départ de cette grande mission, Vie-Lumière, dans ce départ de cette retraite publique. Et nous savons que Dieu va se manifester d'une chose extraordinaire. Ça débute avec les étudiants et ça va continuer avec les prédicateurs et les pasteurs et les enseignants, et avec la grâce de Dieu, avec les chrétiens, les chrétiennes, les diacres et tout le monde. Et on dit, soyez bienvenus sous le chapiteau des Lumières. Dieu vous bénisse. Amen. Un petit bravo pour les étudiants. Ah oui. Et bien, bien. Il y a aussi le frère Michel qui est venu à moi, hein, Michel Carlo, qui fait partie aussi de l'enseignement. Alors il est venu à moi, et voilà, il n'est pas venu, mais on le verra bientôt. Dieu nous bénisse. Amen.